Tellement content de le retrouver, c'est vendredi. Je le sais que c'est pas chaud, mais on va vous réchauffer ça. Oui. Avec Danny Côté. Oh, ben là, quand même, on se calme, on se Ah, calme. non, mais c'est une invitation à la gente féminine. Ah, D'ailleurs, il y a des demoiselles qui étaient contentes pour le spectacle de Guylaine Tanguay. mais... Oui, tout à fait. On a une belle rencontre avec Guylaine, tellement gentille et sympathique. Alors, voilà, c'était un beau show qu'on a eu la semaine passée. Puis il y a un autre concours similaire qu'on peut le dire à l'avance, Ben Maxime oui, ben Landry. oui. Ça s'en vient au mois de février pour les auditeurs du 95.7. J'amène des auditeurs avec moi à voir le show de Jolene and the Gambler, mettant en vedette Yes! Maxime Landry et Annie Blanchard le 24 février à la salle Kingsley à Kingsley Falls. Ça va être vraiment hot. Ah ben, il faut parler aussi de nouveautés musicales parce que c'est pour ça qu'on est payé. Oui. Alors qu'on commence avec Dallas Smith du côté anglophone. Oui, Singing in a Beer, donc auteur, compositeur, interprète. Il a fait partie du groupe de rock Default, que tu connais très, très bien, Sylvain, Oui. c'est ton genre de musique. Et donc, Ich. il a commencé en 2012 à faire le saut dans le domaine de la musique country. Puis en plus, la nouvelle est sortie cette semaine, sera de passage au Festival Country de Lotbinière à Saint-Agapy le 17 juin prochain. Alors, une belle chanson, comme on connaît si bien sa signature musicale, de Dallas Smith, Monsieur Tatou lui-même. Il y en a pas mal, des tatous. Et c'est vrai, parce que je t'entends souvent le dire en onde, hein, Jusque dans le cou, là, dans le coup, ici, il y en a là. partout, il y en a partout. Oh Je te dis, je t'enverrai un beau, là. C'est une fesse à boy! quelque part. Ah! Non, c'est correct, c'est OK. correct. Greg Campbell maintenant. Oui, avec Tractor Song, là, pour tous les cultivateurs que vous êtes. Alors, c'est un bon ami, Craig Campbell, à Luke Bryan et aussi à Tracy Birds. Il a commencé sa carrière en 2010. Donc, une belle chanson pour ce genre-là, les Tractor Song avec Craig Campbell. Et ben, on l'a eu en entrevue il n'y a pas si longtemps sur Red Ben oui. Country, Isa Morin, sa nouvelle. Morin, oui, qui a lancé sa toute nouvelle chanson Hockey Mom, chanteuse de la Beauce qui a procédé au lancement de son premier album la semaine passée. Donc, un bel hommage à toutes les mamans qui suivent leur garçon ou leur fille de week-end en week-end dans les arénas à travers la province. Alors, une belle chanson très, très, très festive. Hockey Mom, Isa Morin. Et ben, celle que j'aurai en entrevue demain matin, Ben Roxane oui! Garceau. Auteur, compositrice, interprète. Alors, il nous présente sa belle chanson riche de semi, une chanson très, très, très festive. Et c'est la chanson au titre, justement, de son premier album. C'est présentement en vente sur toutes les bonnes plateformes. Roxane Garceau. Alors, écoutez demain l'entrevue avec Sylvain, à Country Voilà, petite aussi. anecdote en passant, parce qu'elle me mentionnait au téléphone il n'y a pas si longtemps que c'est moi-même qui lui ai annoncé que sa chanson était disponible sur les plateformes, mais elle n'était même pas au courant. Oh, Hein, bon. c'est pour te dire, Ah. on est la source du country, on est Yeah, la la référence, référence. hitcountry.com pour nous synchroniser, évidemment, pour avoir toute l'actualité dans la section VIP. Et Danny est là pour nous rappeler l'actualité à chaque jour du lundi au vendredi à 16h30. Yes, Monsieur Potin, c'est moi. Le Édouard Rémy des temps modernes. J'allais dire le Michel Girouard, je veux ça retenu. Bon Bon week-end, week-end. monsieur Jet Set. Salut. Salut.